Et salut les gens, bienvenue sur frappstjeux.fr ou sur mon blog tisson3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Nier Automata, donc sur PC. C'est un jeu qui m'a été offert par Hermin. Encore une fois, merci beaucoup, merci à toi. C'est reparti pour un tour. T'as l'air curieuse, c'est pas de la curiosité là, c'est de l'envie. C'est de l'envie. Hop là, donc, on était où? On était en train de me dire qu'il fallait que je regarde, que j'arrive à regarder, mais il faut un angle de caméra particulier ou... Le problème c'est que... Tu veux pas repousser la caméra, madame? Et Naïnès alors? Naïnès il triche, il est habillé. Bon, du coup... Non mais arrête de glisser partout, madame. Il y a un coffre, à mon avis, je peux pas l'ouvrir encore. Non, impossible d'accéder pour l'instant. Mais arrête de glisser partout. Tout ce que... Non mais... Bonjour. Ah, pardon. Vous venez du village de Maître Jean-Paul, n'est-ce pas? J'en suis certaine, je sens son odeur sur vous. Mais ça va pas la tête? Jean-Paul est merveilleux. Il se lance en quête de nouvelles connaissances avec une passion qui dépasse l'entendement. Oh, comme je, j'ai pas le temps de dire. Parce que j'ai appuyé trop tôt. Heureux. Tu t'en vas, Draco? Bonne nuit aussi alors. Oulala, non, ça ne va pas du tout. Et vous êtes incapable de voir les choses telles qu'elles sont. Je suis certaine que les hommes profitent de vous tout le temps. Pas vraiment, non? Ah ouais, mais j'y pense. Je trouve quelque chose qui devrait intéresser Maître Jean-Paul au plus haut point. Vous pourriez le remettre en plus vite, s'il vous plaît? Dire qu'on se tape des allers-retours super longs pour lui, quoi. Vivement qu'on débloque les déplacements rapides parce que c'est long. Faut que tu boives un coup, t'as pas tort. En même temps, il y a un carré de chocolat qui m'attend, tu sais. J'ai toujours pas digéré ce que j'ai mangé à midi. Ça fait 30 ans que je n'avais pas mangé, ça l'a pas pu. Et j'ai une superbe tablette de chocolat. Vous savez, c'est marque violette là. Avec les ATM. C'est vrai? Comme d'habitude, on va essayer de casser les carrés de chocolat avant. Le problème, c'est que la tablette est grande. J'ai beau avoir des grandes mains, ça va pas jusqu'au bout. Toc. Et toc. Voilà, comme ça on a déjà les lignes de chocolat qui sont cassées. Dans le paquet. Ça évite d'en foutre partout. Iti boire. Mais c'est vous mes alertes favorites. Ça marche mieux quand c'est vous, ça a plus d'impact. Du moins quand j'arrive à vous lire au bon moment. Non! Ça s'est cassé en diagonale. Un carré qui se casse en diagonale. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça si c'est pas honteux. Regardez, regardez. Voilà, voilà. Vous voyez, hop là, il s'est cassé en diagonale le carré, celui-ci. C'est honteux. Disons-le. C'est une chose qui devrait pas exister. Voilà, ça va fondre dans la bouche. Et c'est parti. Ah, des objets. On va essayer doucement de ne pas bouffer toute la tablette en quelques minutes. Ce serait dommage. Il y a un truc là-haut. Re Otika. Ah bah oui. Autant pour le chocolat noir, je prends du chocolat dégueulasse. Genre top budget, machin, chose, bidule. Autant pour le chocolat au lait, je prends pas n'importe quoi. Donc ça monte pas par ici, ok. Voilà. À moi.
Il y a un truc encore au-dessus, mais je sais pas comment le récupérer. Donc on peut se déplacer rapidement, un truc à un autre, baisse ce système là, c'est ça hein. Donc mercredi prochain, il faudra qu'on te... qu'on te pose plein de questions, c'est ça? Bonjour Lyra, comment s'est passée ta journée? Nous ne sommes pas du tout curieux. Désolé, mais il y a un truc qui passe pas. Et ça brûle l'estomac. Ouais, non, je peux pas me déplacer rapide par rapport à ça. À moins que ce soit de ça dont tu parlais. Je sais pas. Moi non plus, je ne vois pas. Faudrait que t'inventes un mot. Ça s'est mal passé, tu dis juste ce mot-là et on t'embête pas avec. Ou alors tu viens pour là, comme ça c'est réglé. Hey, Mademoiselle Pink, comment ça va? Ça faisait un bail. J'étais content d'ailleurs, ça me fait penser, ça me rappelle l'époque où on était sur Jurassic World et que tu passais, il y avait Yeuse aussi. Yeuse, on l'a vu il y a pas si longtemps, j'étais content de savoir qu'elle allait bien. Ça avait l'air d'aller. Un vampirien s'abonne sur YouTube. Mais qu'est pas ça? Monsieur vampirien, comment allez-vous? T'as dû faire un bail louche. Qu'est-ce que t'appelles un bail louche? Merci en tout cas pour le réabonnement. Bah, normal. Y'a rien de mal à ça, hein. Aïe. Je crois qu'il m'attaque. C'est moi, non? À chaque fois, je me trompe. C'est pas ça la carte. 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 C'est vrai que la vue est quand même jolie quand on accélère. Bref. Comment ça, tu es la carte, tu es la carte, tu es la carte? Ah, j'ai les yeux explosés. C'est pas juste ça. Faudrait qu'on puisse se remonter en moins de 5 heures. Et qu'on dorme pas de plus par envie. Bah bien. Un peu crevé mais ça va. Ça roule. Je dis que je suis un peu crevé parce qu'on s'en fout au final, mais c'est juste pour justifier encore une fois le fait que je râle. Genre, oh là là, je suis crevé, j'ai les yeux qui piquent, nan nan. Le mec bien lourd, bien chiant. Toi là-bas. Bien joué à Tatane Party. J'entends tir dessous. Le pire, c'est que j'ai envie de refaire les Halo, vu qu'ils ressortent sur PC. C'est grave, docteur? Surtout qu'on les a refait il y a pas si longtemps avec Bobby, quoi. Et je me dis, sur PC, ce sera encore plus joli. Du Halo sur PC, c'est quand même le rêve. Au revoir. J'étais en train de demander, est-ce que vous y connaissez en informatique? Et est-ce que vous savez comment fonctionnent les NAS? Mais oui, il y aura Halo avec un grand cœur. Tu peux m'en mettre plusieurs à la suite. Le mec qui se boit un peu de chocolat, c'est moi. Je vais être malade. Tu joues à WoW.
Je sais pas, il y avait l'air d'avoir une quête par là-bas. Ça vous fait des quiches. Bah ouais, parce que je suis pas assez mauvais. Ah, ça me dit quelque chose ça du coup. Une DH. C'est quoi une DH? Bah c'est pas parce que je commence à manquer de place sur le disque dur là. Et j'ai plus de disque dur en RAM. Et en fait le système que j'utilise, j'ai un dock pour mettre le disque dur, mais il est limité à 4 Tera. Et je me dis qu'au bout d'un moment, alors je sais pas si effectivement plus tu achètes des disques avec de la place, et plus tu as de. Tu payes moins. Enfin, moi, tu payes cher. Le Tera, je veux dire. Hein. C'est pas que tu payes moins cher le disque dur, mais. Il me semble, par exemple, si tu prends un disque dur de 8 Tera, tu payes moins cher le Tera que si tu en prenais un de 4. Faut que je heal? J'ai plus rien envie. Chasseur de démons, d'accord. Demon Hunter. J'y ai pas vraiment joué encore pour l'instant. Si, la chose dont je me souviens, c'est que j'avais joué un zombie. Forcément. Dans World of Warcraft. Je suis monté au niveau 20, je me suis baladé un peu et ça m'a gonflé. Comme d'habitude. Vous êtes qui, vous? C'est quoi ces tenues? Bonjour. Eh, mais c'est des collègues! J'ai entendu dire que vous aviez vaincu les machines. Ah bon? Quand, de, où, pourquoi? Nous avons permission d'envoyer à la base les ressources de cette zone. Mais ils ont que les dames sexy dans le... dans leur équipe? Les dames sexy et les petits garçons. C'est ridicule. Je dis n'importe quoi. Donc ça c'est ok, on a vu ce qu'il y avait ici, on va se barrer. De quoi t'es hors sujet? Iceborne, c'est un DLC de Monster Hunter World, c'est ça? Mais en fait, au pire, vampirien, il y a un moyen tout simple de faire, c'est que sur Amazon Wishlist, il y a un NAS qui a ajouté la liste, et j'avais mis le disque dur en dessous, je crois. Et si t'as quelque chose, s'il y a des gros défauts, ce genre de truc, n'hésite pas à me le dire, comme ça au moins c'est réglé. Parce que bon, faut pas schlack trop d'argent non plus. J'ai déjà pas les sous, donc du moins, dès que j'aurai fait réparer ma voiture, parce que ce n'est toujours pas fait, je crois que j'aurai plus de sous, donc on va voir. Et en fait j'étais en train de me dire, mais est-ce qu'on peut installer des jeux sur un NAS? Ça me paraît totalement illogique, parce que pour moi un NAS c'est juste un truc où tu peux accéder à des fichiers. On peut rendre quelqu'un installer un jeu dessus, mais j'étais en train de me poser la question. Non mais si jamais on se fait un MMO comme on avait essayé Secret World il n'y a pas si longtemps, chacun sera libre de rejoindre, à condition de commencer un nouveau perso par contre, parce que c'est pas drôle si on se retrouve avec des gens avec des persos qui sont super élevés et qui tombent tout en bas.
en train de revenir. Ah ouais, non, il reste encore une zone à traverser, c'est vrai que c'est long. Cours! Cours, Toubi, cours! Des chocolats t'attendent à la maison. Accélère le rythme. Par contre, il y a des choses ici, au-dessus. Première vue. Peut-être que je peux passer par là. Mais oui, je peux. Ah, il m'aime pas, il m'aime pas, il m'aime pas, il m'aime pas. On se continue de faire là. Mais c'est du pognon que j'obtiens à chaque fois. On l'a déjà dit, le pognon c'est vraiment génial. Comme le dirait si bien le monsieur dans l'idiocratie, j'aime le pognon. Ah! Comment tu rejettes la faute sur autrui? Avec des paillettes, tout ça. Quelle vulgarité! Il y a des bestioles au-dessus là. Ah non, peut-être qu'elles sont là. Ah, pas gentil, pas gentil, pas gentil. Hop. 30 secondes, madame. Bah voilà, il s'en est occupé pendant ce temps que j'étais pas là. Bravo, bravo. Et tout comment ça fonctionne en fait. Un as. Bon, en gros, c'est plus pour faire du stockage que. Et avoir accès à certains documents qu'autre chose. Parce que là, mes disques durs sont plein de vidéos, plein de machins qui sont. Sont pas forcément les plus pratiques d'accès. Et. Enfin, là, les deux PC sont déjà liés en fait. Et bon, c'est juste que j'ai pas ajouté des disques durs à l'infini. Dans le PC. Il faudrait que je fasse du vide, donc soit j'achète des disques durs. Parce que là j'en ai plein, j'en ai quoi? J'en ai 3, 4, de 3 Tera qui sont pleins de vidéos. Mais quand on s'y dit plein, c'est vraiment plein. Il va falloir que j'en rachète à nouveau, alors quitte à en racheter à nouveau. Enfin bientôt, il faudra que j'en rachète à nouveau, j'aurai pas le choix. C'est pour ça que je me pose des questions de ce que je fais. Je vais pas le montrer, mais en fait j'ai un dock branchant l'USB 2 ou 3, je sais plus. Et tu sais, tu t'enclenches le disque à l'intérieur, le disque dur, interne, branchant l'externe du coup. C'est YouTube. Pas grave, t'inquiète pas, Usagi. Ça va pas durer. Ta 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 ta, on se tire. Par contre, il y a encore un point rouge. Pourquoi il y a encore un point rouge? Qu'est-ce que c'est que ce point rouge? Alors, par contre, il y a des moments où je comprends rien. Comment il est si déplacé? Voilà. Ah, les études de psycho, on s'en fout des études de psycho pour l'instant. Ça, c'est quoi? Ça, je suis pas sûr de pouvoir y aller tout de suite. Ça, c'est le machin papier vers... Enfin, cerveau. Là, il y a plein de points, je peux y aller voir. Et ça, c'est quoi? Un menteur demeuré. La mélancolie de Jean-Paul. Serre perdu. Serre perdu. Bon, on va aller voir ça, tiens. Pascalou. Non, non, mais comme je dis, je sais pas exactement sur quoi je vais partir. Au pire, j'achète un disque dur à la base, 4 Tera et c'est réglé, quoi.
Tu penses, Ultima? Attends, je suis parti dans le sens des missions secondaires là-bas, là. Donc on va y aller vite fait. C'est pas très loin maintenant. Et après, on repart sur la quête principale pour débloquer le reste, sanglier. Mais ils sont vachement costauds, les sangliers, dans ce monde. Ah non, c'était pas... Si, c'est par ici. Si, ouf, j'ai eu peur. Je me suis dit, attends, ils se foutent de moi, quand même. Moi, je veux rentrer par là. On a 20 minutes de vidéo. Quelle idée, Usagi. Mais du coup, ça veut rien dire, parce que l'informatique, ça fait longtemps que ça existe. Tu peux être très bon en informatique en ayant plus de 70 ans. L'un n'empêche pas l'autre. Quand je pense qu'après, il va falloir que je retourne... donner l'information à la dame, là. Enfin, ou la personne qui m'a donné le truc bizarre. En effet, les objets du monde possèdent-ils un dessin? Expriment-ils un besoin? Considérons cet endroit, ou ce village, ou moi-même, si... Nous sommes venus pour vous remettre un cadeau. Un cadeau de quelle nature? C'est un fossile. L'une de vos disciples vous a demandé de vous le remettre. Ah, je vois. Elle a dit que vous aviez une passion qui dépasse l'entendement pour tout ce qui relève de la connaissance ou un truc dans le genre. Un fossile mécanique d'une inutilité crasse. Vous voulez qu'on lui transmette un message de votre part ou je ne vais pas gâcher des mots pour cette camelote? De la camelote? Il apprécie les cadeaux qu'il reçoit. Vous pourrez peut-être révéler le fond de sa pensée à ses disciples, tu ne crois pas? En plus, elles doivent attendre une réponse. To be. Tu veux pas descendre? Si. Quand même, petite dame. Voilà. Alors, la sœur a été par là. Merci d'avoir ramené ma petite sœur. Je me sens beaucoup mieux grâce à la pièce qu'elle a trouvée. Acceptez ceci, s'il vous plaît. Un ruban bleu après le ruban rose. 5000... Alors, je sais pas si des guilds, c'est de l'or. Non, non, on a récupéré ça, en tout cas. Je me disais aussi où c'est guilds. Je crois que ça, j'avais compris que ça se branchait pas sur le PC. Ça se mettait directement sur la Xbox, après on l'attend d'une façon ou d'une autre, quoi. C'est mignon, la petite musique en fond. Désolé, je craque pour le chocolat. C'est ça. Bah tu vois, Lyra, on a pensé à la même chose. Il y en a un qui a enregistré sa gamine. C'est exactement ce qu'il nous faut, mon compagnon va pouvoir se réparer. Je suis si heureux de vous avoir fait confiance. Nous partirons dès que possible, souhaitez-nous bonne chance. Et ils vont crever. Ils vont faire deux pas dehors et plus rien. Perle x5, soin moyen x3, 5000 G, 200 XP. Allez hop. Vampirien, te casse pas la tête. Si tu vas dans Frappe tes jeux et dans... Enfin, si tu vas sur Frappe tes jeux.fr et que tu descends en bas à droite, il y a marqué information légale. Tu auras toutes les infos dont tu auras besoin. Ah mais j'avais pas assez de sous pour les améliorer. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent.
Bref, pas par là. La quête principale. Ouais, j'ai vu qu'il y en avait plein d'autres des armes. Mais j'ai pas envie de varier les plaisirs puisque je suis plutôt content de celle-ci pour l'instant. Donc, comme d'habitude, je m'installe dans un confort de gameplay. Ah d'accord, ok. Quelle idée. Attends, je m'en occupe. On fait de la musique, veuillez patienter. Nous allons répondre à votre appel. Qu'est-ce qui se passe avec le monsieur? Pourquoi il est déçu? Sur mon téléphone, il y a marqué « Je suis déçu, machin chose ». Alors Twitter m'agace un peu à me poster des messages tout le long de gens que je suis, genre « Ce message est important », alors qu'en fait, on s'en fout. Cher téléphone. C'est Barry Wildwood. Tu crois? Faut pas faire des compliments comme ça. Dido. Mais Dido, elle est très bien. Shabadabadabadabada. Tant que c'est encore là, rédigé. Je suis un homme pas rapide. C'est gentil, merci. 6,44. C'est le genre de chose que, à chaque fois que je fais ça, je me trompe dans un chiffre. Et c'est pas la personne concernée qui reçoit le bon SMS. Infirmier. Mais non, mais là on fait pas attention. Salut, viens me voir si tu veux faire entretenir tes armes. Entretenir. Ah mais j'ai pas assez d'objets, plaques tordues. Tu peux trouver des plaques tordues moi. Peau de bête. Alors soit je me suis trompé. C'est bien le numéro que tu m'as donné pourtant. Alors. Je peux pas acheter mes trucs du coup. Je suis tristesse. Reviens me voir. Non, je reviendrai pas te voir.
Qu'est-ce qu'il me faut acheter? Comment c'est de la triche, ça? J'ai eu peur, je me suis dit, est-ce que j'ai encore dérangé quelqu'un? T'as fait exprès, hein? 1, 1, 1. 118, 218. Non mais j'ai eu peur, parce que ça m'est déjà arrivé d'envoyer des messages à des gens et en fait, c'était pas les bons gens. Comme dans le sketch de Kian qu'aujourd'hui. Des fois, tu crois que c'est les bons gens, mais en fait, non, c'est pas les bons gens. Non mais, à bientôt. Oui, mais je m'en fous, dégage. Toi, là, pareil, il faut que je te parle pour la quête principale. Attends, attends, il y a un autre monsieur à qui il faut que je parle pour la quête principale par là-bas. Quête. Alors, vous êtes le nouveau modèle Yora, c'est ça? Ouais, les plus récents. Même en y repensant, vous avez besoin de... Je parie que les nouveautés comme vous sont à la hauteur de tous les défis, n'est pas vrai? Oui. Vous seriez même peut-être capable de... Non. Je ne veux pas vous importuner, ce serait très mal poli. Pourtant, soupir. Écoutez ce qu'elle a à dire. Vas-y, dis-moi tout. Dites-nous tout, qui sait? On pourra peut-être vous donner un coup de main. Alors, eh bien, si vous insistez, en fait, l'un de mes amis a disparu. On taquinant est-il de quoi? Envoyer des sextos à son père, c'est relou. C'est déjà bizarre quand même, surtout. Disparu, ça a l'air sérieux. Non, c'est pas sérieux. Il est mort. Il est mort. Où est-ce qu'il a été vu pour la dernière fois? Là où il travaillait, l'entrepôt de matériel. L'entrepôt, on pourrait y faire un tour? Oh oui, s'il vous plaît, sans lui, je vous en supplie. Ils sont mignons, ces robots, à avoir des sentiments. My love, my everything, Eusian Chastun. Bref, ça c'est ta faute. Faut toujours pas aller au fond ici. Alors qu'il y a des gens. Parabarapa. Bah oui, j'ai flippé, tu croyais quoi? J'ai pas envie de déranger des gens à cette heure-ci, moi. Hein? Pourquoi ça remarque que tu t'es abonné? C'est bizarre. Quoi, tu aurais peut-être dû te tromper. Bonjour. Alémon, tenez, c'est de la part d'une machine qui s'appelle Pascal. Un filtre à carburant, ça tombe bien, on commence à en manquer. Mais ça veut dire que vous avez rencontré Pascal? Eh oui. Alors comme ça on pactise avec l'ennemi? On traite quelques machines du village, elles sont inoffensives et elles savent fabriquer des appareils sophistiqués, trop complexes pour nous. En échange, je leur fournis du carburant et des matériaux divers. Du fait, il s'agit d'une forme de troc. Je vois. Enfin bref, si vous rappelez, repassez là-bas, vous pourrez donner cette tuile à viscosité élevée à Pascal, s'il vous plaît. Et voilà, je suis un hibou. Je comprends plus rien. Mais tellement plus rien. J'ai pas suivi. Je me dis c'est pas nouveau, mais oui, j'ai pas suivi. Allez, hop, on y va, on fonce. Attends, et, oh, mais pourquoi je peux me parler à lui? Non. On va essayer de voir par là. Oui, Ultima. Comment est-ce que je vais me sortir ça de la tête? Sortir quoi? Le cerveau, pardi. Ah, quoi, qui êtes-vous? En fait, on fait partie du groupe Yora. Allez-moi, nous a dit de faire comme chez nous. Oh, je vois. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, c'est juste que l'une de mes amies a une boîte qui fait de la musique quand on l'ouvre et je n'arrive pas à me sortir cette mélodie de la tête. Elle est magnifique, je n'ai jamais rien entendu d'aussi beau, comme les musiques de Nier Automata. Et pour ne rien arranger, je ne me souviens que de la première partie de la mélodie. Ah, ça me rend dingue. Si seulement elle pouvait revenir au camp pour que je puisse à nouveau écouter cette fichue mélodie. Ouais, si on ne l'aide pas, elle ne se remettra jamais au boulot. Une boîte qui fait de la musique bizarre. L'objet en question est une boîte à musique. Elle devrait se trouver dans un lieu où l'on en joue. Proposition, le parc d'attractions local semble un endroit logique où entamer les recherches.
Ta logique est un peu bancale, Pod. Mais bon, autant essayer, c'est notre seule piste pour l'instant. Je peux toujours pas aller plus loin. Bon, tu me laisses rentrer hein, si jamais je fais ta mission, c'est ça, hein? Salver la Rosa? Pas de par là, toi? Un homme a disparu. Toujours pas, c'est tout ce qu'on me demande. Non, bah c'est pas là alors. Peut-être qu'il faudrait que j'aille vraiment à l'entrepôt au bout là-bas. Par contre, après, je sais pas, parce qu'on a 36 minutes, on a 3 heures seulement d'enregistrement. Peut-être que je vais refaire une vidéo de Nier Automata après. Quand même. Pas là toi avant le magasin. Yora, c'est ça. Bienvenue magasin d'amélioration. Nous nous occupons de tout ce qui concerne l'entretien des corps d'Android. Que puis-je pour vous? Ça coûte cher. Dans l'analyse des ennemis dans un rayon donné et assène des puissants coups à ceux qui s'y aventurent. Il y a des chances, oui. Il y a des chances, il y a des chances. Amazon qui me renvoie des mails en me disant « Eh, vous savez qu'il y a encore des crânes sur Amazon ?» Oui, mais ceux que tu me proposes, ils sont moches. Hey, coucou Moon. Comment ça va, madame? Hey. Ah non, il est pas trop dégueulasse celui-là. C'est pour les crânes. Du coup, on pourrait essayer ce type, un de ces quatre. Hop là. Coucou monsieur Adrien, comment ça va? Marteau, lame, lance. Et j'y déploie une barrière protectrice qui bloque toutes les attaques physiques. Ça pourrait être intéressant. Déploie une barrière protectrice qui bloque tous les projectiles. $30 000 ça coûte. Ça monte vite dans les prix, hein. Palabalapa. Mais non, j'ai pas disparu. Qu'est-ce qui se passe, Sexto? Pas compris, pourquoi j'aurais disparu? Je suis là. Ouh. Pardon. Je suis là. C'est moi. Je m'étire, ça fait du bien. Alors, ça je te prends, acheter pour 5 000, oui. Ah oui, non, c'est vrai, forcément, j'ai eu moins de... Je sais pas ce que ça fait, exactement, ça. Oh, il manque plein d'objets. Fusionner puce. Faudra que je garde plus ça en faisant un entretien de votre mécanisme. Deviendrez plus efficace au combat. N'hésitez pas à essayer les puces et les programmes que vous trouvez. Pourquoi il est coloré celui-ci? Alors toi non plus? C'est elle, Pascal? Il me semble que Pascal avait une voix de femme. On te voit, c'est Bartz, oui. Pourquoi? Alors, oui, Twitch déconne énormément en ce moment. Mais vraiment, chez moi, c'est une horreur. C'est-à-dire que
En général, j'arrive, quand j'arrive à voir la vidéo, souvent le chat m'empêche d'écrire, c'est-à-dire qu'il n'envoie pas mes messages, c'est-à-dire que j'écris dans le vide. Sans, enfin, j'ai appuyé sur la touche envoyer, le message n'apparaît jamais dans le chat. Donc il faudra actualiser la page dans ce genre de cas. Et deuxième possibilité, c'est l'écran noir et ça fait rien. Donc voilà. On va quand même répondre au sexto. Au cas où. C'est le Magic Peanut, comment vas-tu? Petite accélération. Donc c'était quoi la mission? Je sais même plus. C'est quoi ma quête? Ah, faut que je retourne voir... Quête finie, 7%. Ça va, on est pas si loin. Trouver la boîte. Couple errant. C'est où ça? Je l'ai pas sélectionné la mission? Comment ça fonctionne? Objet, quête. Padabadap. Ah. Bah alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bizarre, c'est peut-être Twitch qui a planté. Marche bien ici, donc c'est quand même vachement bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Ouais, si, pourtant, il me considère en live. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Il y a Twitch qui a dû planter quelque part. Ça y est, je suis re-là. C'est bizarre, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, j'ai coupé l'hébergement, mais c'est quand même bizarre que ça m'ait validé comme ça, d'un seul coup, comme si j'avais été en déconnecté. Faudra que je le fasse, un de ces quatre, le jeu. Black Tail, carte. Donc ça c'est quoi? Ça c'est le village, faut qu'on aille au village. Il y a un truc à voir ici aussi, et là il y a une mission, mais la disparition de la résistance, pour l'instant je peux pas m'en occuper. Donc je pense qu'on va aller d'abord ici, une quête venue d'en haut. Et après on se déplacera là-bas. Qui en plus, ah non mais ça c'est le machin demeuré. L'inventeur demeuré. De Bill pour être précis, pour les intimes. Pardon. Ouais, je sais pas. Non, mais c'est comme je vous dis, en ce moment, je trouve que Twitch déconne énormément. En tout cas, de mon côté, hein, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Dans le sens où, comme je vous dis, le nombre de fois où je suis en train de me connecter et que ça m'affiche un écran noir qui charge en continu, au nombre de fois où j'écris, je peux écrire un message et tous les messages suivants sont bloqués. C'est-à-dire qu'ils s'envoient jamais. Alors, je sais pas si ça apparaît dans la liste des... de modération, et que c'est moi qui les vois pas, et que je suis obligé de réécrire. Ou si vraiment ils sont pas envoyés. Mais j'ai plein de galères en ce moment avec Twitch. En tant que viewer. Heureux, ça, quoi. Ça va toujours? Tabalalaparam. N'empêche, c'est vrai qu'elle était magnifique, la photo que tu m'as envoyée hier. Ça, quoi. Ils ont été méchants! Alors... Tudum.
Donc on va encore faire une rediffusion sur ce jeu là, je pense qu'on va la couper tout de suite là, la rediff. Enfin tout de suite, dans quelques secondes. C'est quoi cet appel au... À ça. Le budget... Non mais le budget, c'est... il est très bas, c'est pour ça que... Comme je te dis, j'en avais mis en... J'étais parti voir sur Amazon, alors c'est pas le lieu normalement pour acheter ce genre de choses. Et j'en avais mis un de côté. Qui était apparemment l'un des plus vendus, donc... Hébergement. Ouh, mais ça c'est du sexto. Ça donne faim? Ah, je sais pas si c'est mieux. Parce qu'après, il y a le goût aussi. C'est très bizarre avec tout ce que je raconte. Merci. Vous pouvez interpréter comme vous le souhaitez. Salut la Monica. Le truc c'est que la première fois qu'on débarque, on est quand même je suis vachement impressionné par... Ah je parie que c'est à côté qu'il faut que j'aille la boîte à musique, c'est là où. Parfait, c'est sur le trajet. Je sais pas. C'est la boîte à musique qu'elle cherchait. Mais ça veut dire que l'android est mort. Elle est toute rouillée. C'est rigolo parce qu'avec le pod au-dessus, on a l'impression que Nanaes a une tête de pod en fait. Attends, regardez. Voilà. Autre chose près. Arrête de bouger le pod. De quoi? Adrien, il est où ton message? De toute façon, on est dans un coma et j'ai vraiment apprécié pour l'instant le jeu avec le... On y retournera après là. On va couper d'abord la rediffusion ici, puis après on retournera sur le... On en fait une dernière sur celui-ci, sur Nier Automata. Après on passe sur Return of the Obra Dinn et j'ai vraiment apprécié pour l'instant Return of the Obra Dinn. J'ai hâte d'y retourner en fait. Ouh, sexto encore? J'aime bien recevoir un truc qui a marqué attention image. Ça va être quoi? Mon téléphone est tellement long. Ah bah oui, mais c'est l'image de Nana, effectivement. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ouais, bah c'est un demi-sexto ça. Hein. Bientôt c'est Liora qui pourrait me dire ah, j'ai reçu un sexto! Et du coup, t'as rafraîchi. Ok. Donc en fait, en rafraîchissant, c'est bon, tu tombes sur la bonne page ou c'est que tu réapparais sur Nana? Bon, c'est pas grave, Nana est géniale, donc... Si vous voyez Nana, c'est pas si terrible. Enfin, c'est pas si terrible, dans le sens où... J'aurais préféré quand même que ce soit mon live qui apparaisse sur ma propre page, non mais oh. C'est de la triche. Parce qu'imaginons que ce soit quelqu'un que j'aime pas. Là, ça aurait été terrible. Alors faut qu'on grimpe ici. Et j'allais dire je vais couper la rediffusion. Donc on va couper la rediffusion avant d'arriver devant le monsieur. On va monter à l'échelle. Et là, on va couper la rediffusion. Ici. C'est pas le plus joli, mais la musique est sympa. Au bout de 15 minutes, mais c'est vachement bizarre. C'est pas grave. L'important c'est que tu t'améliores au fur et à mesure. Bon on va couper la rediffusion, du coup j'espère que celle-ci vous a plu.
que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstjeux.fr et passez une agréable fin de journée. Allez, prenez soin de vous. Et à ciao tout le monde. A tout de suite pour la suite du live. Puis là, je te souviens d'à quel âge tu les as fait les premiers. C'est précis. Et tu es un peu dégoûté. Bah pourquoi? Ça veut dire que tu es censé avoir bien dormi. C'est lui qui fera des enfants. Ah non, mais là c'est bon, on perd Liora, c'est foutu. Ce serait foutu. Liora, on la verra plus. Bon, allez, à tout de suite. Pum 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 p